L'objectif aussi à travers le sportif, c'est de procurer des émotions aux gens, à des personnes qui viennent ici. C'est ça aussi le plus important. Donc on essaye de le faire à chaque match. En tout cas, ce soir, c'était vraiment l'objectif en plus du sportif. C'est le deuxième but. Il était un peu temps parce que voilà, je tire beaucoup et je fais pas mal de pigeons. Donc non, mais c'est bien, c'est rentré ce soir. Ça donne la victoire à l'équipe. Après, le plus important, c'est la victoire. Mais en tout cas, ça fait du bien ce soir. En plus, il y avait du monde ici à Laval. Donc le plus important, c'est ces émotions. C'est toujours la victoire. Donc on est très contentes. On est tombé face à une grosse équipe du Danemark, voilà, qui a joué son jeu, qui nous a fait aussi beaucoup de mal physiquement. C'était un beau match à regarder. Une très belle façon de commencer l'année avec une victoire. Prendre 0 but pour moi, c'est bien aussi. Donc voilà, on va savourer, mais il y a un match dans 3 jours. Donc voilà, on continue comme ça. C'était assez costaud, bien organisé, ça n'a pas été facile. Je pense qu'au niveau de la possession, c'était quand même assez 50-50, je pense. Mais voilà, en tout cas, le plus important, c'est la victoire. État d'esprit, rien lâcher parce qu'on gagne d'une courte victoire. Donc voilà, le plus important, c'était surtout de ne pas lâcher en fin de match, sachant qu'il y a eu beaucoup de fatigue. Donc voilà. Une équipe du Danemark super bien organisée, on savait que c'était très athlétique. Nous, c'était notre premier match de l'année, c'était important de bien commencer. Je pense que l'état d'esprit était vraiment bon ce soir. On a su souffrir ensemble quand on avait un peu moins le ballon. On leur a fait mal, je pense, offensivement. Et voilà, on avait une équipe un petit peu remaniée. Julie a fait sa première. Et voilà, tout le monde a répondu présent et on repart avec la victoire. 50. Ouais, non, c'est une fierté. Je suis vraiment contente d'avoir fait un accomplissement. Et voilà, c'est un honneur d'avoir porté ce maillot, enfin de toujours le porter, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est important de commencer par une victoire ce tournoi, et pour moi bah, c'est forcément une fierté de porter ce maillot enfin sur le terrain. En plus on joue en France devant notre public, donc il n'y a rien de plus beau et je suis très fière d'avoir fait ma première. J'étais appelée plusieurs fois, donc je connais les joueuses maintenant, donc il donc n'y a pas de souci de communication, que ce soit en dehors ou sur le terrain. J'espère que les supporters ont pris du plaisir. Et qu'on les attend nombreux à Angers samedi.